Smoke a spliff and take a lift. Whoa, whoa, whoa. Smoke a spliff and take a trip. Bonjour à tous, Marco pour Canavapo.fr. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation de l'ère 2 de Riser. Sorti en 2017, la même année que le Solo 2, la seconde itération de l'ère nous apporte son lot d'améliorations par rapport à la version originale, avec notamment un contrôle précis de la température, un écran OLED, un airflow plus ouvert et une autonomie rallongée. Nous allons voir dans cette vidéo si l'ère 2 est aussi bon que son grand frère, le Solo 2, que nous avons déjà testé et que nous adorons. De manière générale, nous apprécions beaucoup les produits du Canadien Riser qui sont toujours de très bonne facture à un prix très raisonnable. Commençons par le contenu du pack. Comme pour le Solo ou l'Extreme Q, le Riser est vendu dans une belle boîte avec de nombreux accessoires. Dans cette boîte, vous trouverez le vaporisateur et sa batterie amovible, un embout en verre de 70 mm, un second embout en verre de 70 mm avec bout en plastique, deux capuchons en silicone pour les embouts buccaux, une tige en métal, un bol d'aromathérapie plus un échantillon d'herbe pour aromathérapie, un câble de chargement USB avec adaptateur de prise secteur, 4 filtres en acier inoxydable, un étui de transport et un mode d'emploi. Les embouts en verre sont également compatibles avec le Solo et vice-versa, ce qui est plutôt pratique. Comme tous les appareils Riser, l'Air 2 est assorti d'une garantie constructeur de 2 ans. Au niveau du design, l'Air 2 a une forme cylindrique élancée qui rappelle un peu celle d'un sabre laser. Le corps est un peu plus long mais beaucoup plus fin que celui du Solo puisqu'il mesure 12,4 cm de long et près de 3 cm de diamètre. La coque en aluminium anodisé est solide tout en restant légère, le vapeau pesant un peu moins de 130 g. Le corps ne chauffe pas dans la main, tout comme les embouts buccaux. Ceux-ci mesurent 7 cm et sont en verre borosilicate, donc fragile, ce qui rend le vapeau difficilement transportable dans une poche. Le fait de devoir transporter les embouts séparément n'est pas le plus pratique. D'où l'ajout d'une petite sacoche de transport avec des compartiments de rangement pour les embouts et la batterie additionnelle. Celle-ci peut s'accrocher à la ceinture, un peu à la manière d'un sabre laser, ce qui sera du plus bel effet, ou pas, à vous de voir si le style Jedi de la vape est fait pour vous. Clairement, ceux qui veulent emmener leur appareil partout devraient peut-être considérer un vapeau avec un embout buccal directement intégré, ou d'un matériau moins fragile comme le plastique ou la céramique. Le Riser Go, dont la vidéo sortira prochainement, est d'ailleurs nettement plus compact et adapté au déplacement. Globalement, il est très agréable à tenir, les boutons sont facilement accessibles et la fixation de l'embout buccal est également très simple. Hormis l'écran et les boutons dont nous allons parler à présent, le design reste quasi identique à la version d'origine et vous pouvez retrouver l'Air 2 en deux coloris, carbone noir comme ici et mystique bleu. Niveau fonctionnement, l'Air 2 dispose désormais de 3 boutons individuels comparé au bouton central du premier modèle. Un bouton menu et deux boutons plus et moins. On a également l'ajout d'un écran OLED par rapport à la version originale. Pour allumer l'appareil, pressez simultanément le bouton menu et le bouton moins pendant quelques secondes. Vous entendrez alors un bip pour indiquer que le vapeau se met en chauffe. L'amélioration la plus notable est sûrement le contrôle précis de la température, à l'inverse du premier qui n'avait que 5 températures prédéfinies. La plage de température de l'Air 2 est plus large, allant de 50 à 220 degrés. Vous pouvez régler la température au degré près, ou 10 degrés par 10 degrés. Via le bouton menu M, vous pouvez également régler plusieurs paramètres, comme le changement de degré Celsius ou Fahrenheit, la luminosité de l'écran sur 3 niveaux, le temps de mise sous tension entre 2 et 8 secondes, le volume sonore du bip que vous pouvez aussi couper pour plus de discrétion, et enfin la durée du shutter time, c'est-à-dire le minuteur qui éteint l'appareil automatiquement entre 5 et 15 minutes. La chambre de chauffage est en céramique et plutôt petite puisqu'elle permet de mettre environ 2 g d'herbe. Le chargement du bol est plutôt unique en son genre et propre au Vaporiser. C'est en effet le même système que sur le Solo 2, avec le bol situé à la base de l'embout en verre. Celui-ci s'emboîte dans le four qui vient chauffer les parois en verre et non l'herbe directement comme on voit sur la plupart des vapos. La batterie de l'Air 2 a elle aussi été révisée puisqu'elle offre 25% d'autonomie en plus par rapport au premier modèle, permettant jusqu'à 1h20 de temps d'utilisation environ. C'est plus que la plupart des vapos et donc un point fort de l'Air 2, même s'il n'arrive pas au niveau du Solo 2 qui offre la plus longue autonomie parmi tous les appareils que nous avons testés. Pour ne rien gâcher, cette batterie est amovible et donc remplaçable pour doubler le temps d'utilisation. Une seconde batterie peut être un bon investissement, vous pouvez en trouver pour une 20aine d'euros chez tous les fournisseurs de vapos du net. Une autre nouveauté est le chargement par micro USB. Vous n'avez plus besoin du chargeur propriétaire de l'Air, vous pouvez utiliser n'importe quel câble de chargement USB pour le charger. Le chargement n'est pas aussi rapide que sur le modèle original, cela dit, comptez environ 2 heures pour une charge complète. L'Air 2 vous permet toutefois de vaporiser pendant le chargement de la batterie, après avoir laissé passer quelques 10 minutes de chargement environ. Passons maintenant à la qualité de vapeur. Certains pourraient trouver les embouts en verre trop longs et trop fragiles.
Si on compare par exemple l'R2 au Vapolink, comme l'Eden ou le Gaïa, utilisant eux aussi des embouts en verre mais beaucoup plus courts, on peut se demander quelle est l'utilité de ces tubes de 7 cm de long. Alors oui, ces embouts ne rendent pas le vapeau particulièrement discret et ils ne facilitent pas non plus le transport comme nous l'avons déjà dit. Cependant, pour ce qui est de la qualité de vapeur, ils sont très bien pensés car d'une part, le verre est selon nous le matériau le plus sûr pour obtenir une vapeur pure sans altération de goût, et d'autre part, la longueur des tubes permet à la vapeur de refroidir avant d'être inhalée. Elle est alors beaucoup plus douce et ne risque pas d'irriter vos bronches. Le Riser R2 utilise un système de chauffage hybride, mélange de conduction et de convection, avec peut-être une proportion plus élevée de conduction. Enfin et surtout, l'amélioration de l'airflow est le vrai plus de cette version par rapport à l'original. Celui-ci est plus ouvert que sur la précédente version. La résistance est ainsi plus faible, ce qui facilite le tirage. On n'a pas besoin de s'essouffler à tirer dessus comme sur certains vapeaux. Pour ce qui est de l'entretien, c'est peut-être le point le moins avantageux de l'R2, comme de tous les appareils Riser que nous avons testés d'ailleurs. Les longues pièces en verre sont généralement délicates à nettoyer, comme vous pouvez le voir dans notre test de l'Extreme Q. Pour les tubes de l'R2, je vous invite à regarder notre test du Solo 2, l'entretien étant exactement le même. La meilleure technique pour éviter que les tubes ne s'encrassent est le bain d'alcool ISO, comme ici dans un Ziploc plastique, pendant au moins 30 minutes. Suivi d'un rinçage à l'eau chaude. Le nettoyage n'est pas aussi facile que sur des modèles avec une unité de refroidissement entièrement démontable, telle que le Mighty par exemple. C'est une habitude à prendre et nous vous encourageons à le faire régulièrement car l'accumulation d'huile collante rendra le nettoyage de plus en plus compliqué. Pour conclure, je dirais qu'une fois de plus, Riser nous offre un vaporisateur de très bonne qualité et pas trop cher. Nous avons beaucoup apprécié l'R2 qui a reçu les corrections nécessaires pour en faire un excellent vapoportable milieu de gamme. C'est plutôt un vapeau d'intérieur, cela dit, même si vous pouvez le transporter via la sacoche fournie dans le pack. Au niveau des points forts, je retiendrai surtout la très bonne qualité de vapeur, une bonne autonomie, la batterie remplaçable, l'écran OLED, le contrôle précis de la température, le fait que le vapeau ne chauffe pas trop, les nombreux accessoires, l'excellent rapport qualité-prix et enfin la possibilité de vaporiser pendant le chargement. Pour les points négatifs, on pense surtout au long temps de chauffe, au fait qu'il ne soit pas vraiment de poche. Les embouts sont également très fragiles. Et enfin, l'entretien des tubes en verre est assez délicat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de l'R2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à souscrire à notre chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine. We nah go left with mistress. We nah go left on a marriage. So set on the risk. Sometimes my dem a carry me cannabis. When I been long see me a road, they said dem a fi anadis. We planting acres and acres. So me tell the youth dem say fi plant up the whole of Jamaica. Acres and acres. Make me hear it for the reapers and the buyers and the cultivator. Acres and acres. I'm loving on my heart for the weed.